Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve avec le signe noir sur Humankind, c'est la course au chrono et au score. Comment vas-tu les signes? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Ça va bien, j'ai vu que tu faisais le tour du monde. Bah écoute, oui, puisqu'il y a deux gros pâtés roses au milieu du chemin. Mais un beau rose, hein, il faut dire ce qu'il est quand même. On peut pas dire le contraire, c'est un beau rose. Est-ce que je te vois plus passer à côté de chez moi là, t'as réussi à passer? Bah non, mais de toute façon tu ne me vois pas, c'est à ça que sert le brouillard ah. de guerre. T'es dans le brouillard de guerre, hein. T'es juté du brouillard moi tu vois, ça va être vite fait. Bon, encore, ça a l'air de bien. Encore et toujours tant d'agressivité, c'est triste. C'est pas vrai, je suis tellement mignon en plus. Nous qui avons toujours été alliés. Non, on n'a jamais été alliés. Si, une fois tu m'as demandé une alliance, je me souviens. Ouh, enfin, si tu comptes tous les misclics que j'ai pu faire dans mes games, t'as pas fini. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien taper sur la tronche des roses. C'est quoi ça? C'est des bateaux. C'est des cogs, il va pas m'embêter avec ça, c'est des faux bateaux. Donc voilà, faux c'est bateaux. Quoi ça, cette proposition? Ah! Mogul, vous avez une proposition d'alliance! Bon. Tu rigoles. Oh là là là. Tu connais même pas ces gars-là. Et c'est marrant, je peux exiger. Ça, je fais quoi? C'est du coup, j'exige une alliance? Oui, c'est ça. Et si tu gagnes la guerre, on est alliés. Complètement con. C'est vrai, hein. Aïe aïe aïe. C'est intéressant, non? Mais pourquoi ça m'a fait autant de motifs là? Ah, mais putain, mais j'ai 10 villes, 10 villes que je pourrais exiger, quoi. Vas-y, exige. Mais j'ai déjà exigé ça, hein. Pourquoi tu m'embêtes? Je ne comprends pas ce que tu fais, jeu. Ah, t'as vraiment une exigence, hein. Ah non, mais en fait, je voulais voir ce que ça faisait, l'exigence diplomatique. Eh ben, je refuse. Mais c'est nul, enfin, je voulais savoir s'il y avait vraiment moyen de dire « T'as refusé mon alliance, je t'attaque ». C'est débile. Si, bah là, je viens de refuser, donc maintenant tu dois déclarer la guerre ou renoncer. Non, j'ai renoncé, okay. C'est pas... Bien sûr, mais il y a bien une exigence possible. Non, mais l'idée, c'est que ça crée des motifs qui vont t'aider à augmenter ton désir de guerre, en fait. Il est évident qu'une guerre... Mais en fait, c'est une vexation. Ouais, c'est ça, c'est... T'as pas voulu être mon pote, alors du coup, bah, je vais te crier dessus. Oh non, on est des synchros. Drame, on recommence. C'est parti. C'est terrible. Tu vas être obligé de re-refuser mon alliance. Ouais, c'est possible. 2 minutes après le début de l'épisode, le fail. Tadam. Ouais, pas comme s'il y avait pas eu des synchros dans la partie. Hein. Ouais, quelques-unes, quoi. On fait toujours le premier épisode sans des synchros, après on en a 3 dans le deuxième. Et on joue chacun de son côté le troisième. Et on s'en rend compte à la fin et on jette l'épisode. Un peu ça. La guerre nécessite du courage, un but et une volonté de faire. C'est la devise des Allemands. Alors qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec tes alliances? Moi c'est payer bien vos maçons. Franchement, on n'est pas au même niveau. Excuse-moi de te dire, mais... Payez bien vos maçons, car c'est eux qui vous apporteront l'immortalité. Ah, c'est beau, hein, quelque part, c'est beau, on peut pas dire. C'est beau. Ah, j'ai ému. On a raté notre recherche. Les pommes qui empoisonnaient nos citoyens, on n'a pas trouvé ce que c'était, du coup, nos gens sont pas contents. Ils protestent contre... Nos artisans protestent contre la fin des pommes. Merde. Ouais, en même temps, les gens pas contents, on en a tous les jours, quoi. Les gens pas contents, le concept, c'est qu'ils sont pas contents, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah oui, le principe du pas content, c'est qu'ils sont tout le temps là. Hein. Dès que tu les contentes, ils sont remplacés par d'autres pas contents, donc au final... J'ai vu un truc, là, qui m'a surpris, c'était où? Tadadam. Ah, c'est là. Non, c'est bon, c'est ça là. Pourquoi non, apparemment, ça je dois avoir 4 de mouvement dans le. Je suis pas sûr, hein. Mais 4 de mouvement dans l'eau. 4 de mouvement dans l'eau? Ok. Mm. Ah, mais on n'a pas une rivière dans cette province, d'accord, la vache. Bah non, du coup, tu peux pas faire ton bâtiment. Bah ouais, j'ai même pas fait gaffe que je pourrais pas le faire. C'est terrible.
Tant de haine. Tant de haine. Moi qui suis si gentil. On en est où là? Ouais, ok. Ici, bon, pourquoi pas. On va terminer ça. Tu voulais signer ta reddition. Ma reddition. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas redemandé d'alliance du coup. Bah tant pis. Ouais, tant pis. Tu connais ma réponse. Ouais, je me doute un peu de la réponse. Ah, du coup, on va faire ça pour l'instant. On verra si on a le temps ou pas. Il faut savoir garder toutes les possibilités de résolution des conflits. Ah. Le jeu me redit. Eh, au fait, mec, t'as une nouvelle ère là. Fais quelque chose. Arrête pas de me le dire moi aussi. Censure artistique. Le problème, c'est qu'en même temps, il arrête pas de me dire « Ouais, si tu construis 3 quartiers de plus, t'as une étoile. Si tu fais un territoire de plus, t'as encore une étoile. » Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble dans le coin. Hop là. Toc. Est-ce que j'aurais pu lui déclarer la guerre? Ils sont maussades. Encore. Prochain tour, sûrement. Bon, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais on verra, c'est pas grave. Faut jouer un petit peu. Toi, bah du coup, go. Expert mondial. Hobby bovin. Hobby bovin. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je sais pas, Hobby c'est bovin. Pas moi. Je le vois même pas. Nanana, nanana. C'est où? De côte à côte. Construction qui dure. Hobby bovin. Construire une ligne de chemin de fer entre 2000. Ouais. T'as pas de rail toi? C'est quoi le rapport? C'est les vaches regardent passer les trains, c'est ça le concept? C'est ça. Très très bien. À vous. T'es sous le choc. De l'intérêt du truc. Hop là. Allez go. Bon là on va peut-être galérer. Hein. Je fais des tests, je fais des essais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guerre donc du coup... Refuser. On s'en fiche. Mais ça change d'ordre les trucs diplomatiques là. Je ne suis pas fou. Your efforts to leave the greatest mark put you very near the top. C'est pas vrai, ça. Ah, voilà. Et là, on peut dire bim. Voilà, parfait. C'est parti, en avant. J'avais deux armées, une pour attaquer chaque ville. Celle qui a attaqué la première ville a entraîné la deuxième armée dans le combat. Mais ne participe pas, elle reste bien en retrait derrière ses murailles. Je suis pas du tout vénère. Je constate que tu n'as pas du tout l'air vénère. 10, 20, 9, 24, c'est pas mal. Allez, go, vraiment. Et vous. Attends, il me dit quoi? Reprendre votre drapeau. Ah, bah ça, c'est la petite erreur que tu fais quand tu vas un peu trop vite et qu'en fait l'ennemi chope ton drapeau. Non, mais j'ai pas joué, c'est la bataille automatique à 2 contre 1. Mais écoute, c'est l'IA qui a perdu ton drapeau, qu'est-ce que je te dise? Moi, c'est pas de ma faute quand même. Ouais, mais du coup, j'ai perdu toutes mes armées. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as perdu toutes tes armées? Quoi? Carrément quoi? Bah oui, ça m'a fait. Oui. Enfin, ça m'a fait une perte. Ouais, j'ai perdu des armées, ouais. Quand tu perds ton truc. Enfin, bon. Ah oui, parce que du coup, il a pas récupéré le drapeau et donc t'as perdu la bataille. Ah ouais, j'ai perdu la bataille, ouais. Ah, vérifie, des fois, il refout tes troupes dans un territoire à côté, un peu ouais, random. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé où sont mes armées, et j'en ai effectivement perdu une partie, ouais, et j'ai perdu la bataille. Le problème étant que ça va me faire perdre la guerre aussi. C'est pas cool. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, bah oui, ouais, c'est le problème, c'est que ça va me faire perdre la guerre parce que ça lui donne du soutien de guerre, ce truc automatique, mais je te jure. Hein. Oh.
Ah bah, t'as trop confiance, hein. T'as trop confiance. Mais non, mais même pas. Il y a aucun moyen pour qu'il gagne. Bah, la preuve que c'est. C'est une garnison de ville avec des couteaux de cuisine. Tu t'es replié et t'as perdu, c'est tout. Qui se bat contre des fusillés, quoi. C'est pas toi le chamanisme des Nubiens, hein. Non, c'est qui les Nubiens? Ils existent plus, les Nubiens. Pourquoi ils sont partout, là? Pourquoi ce bordel? Mais leur religion est toujours là. Bon, ben... Ah si, c'est les Verts. C'est les Verts, le chamanisme des Nubiens, d'accord. Ah, ils sont partout, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Dérive des continents. Posséder des villes sur 3 continents. Ah. Cool. Et bim. Allez hop. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de beau dans le pays là. Ah ça c'est quoi? Une ville au repos. Quoi? On m'arnaque? On m'égorge? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mon armée peut plus participer parce qu'elle est considérée comme battant en retraite. Je te jure. Ah oui, là on est vraiment au tout début là, ils ont rien fait en fait. On va faire ça du coup un peu. Là ça. Non, toi tu viens ici. Hop. Un là. Voilà, un là, parfait. Vous allez par là, vous allez par ici, vous allez faire ce que je vous ai demandé de faire. Alors ici c'est mieux, mais c'est un peu loin. Allez go. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je voulais pas la bataille automatique. Il recommence. Pourquoi tu me proposes ça? D'accord, là, pour l'instant... Ah merde. Bah, échec. Échec. Je peux pas l'annuler? Merde. Bon bah, rasez-moi ça. Tant pis, on aura perdu un peu d'influence, pas grave. Bon. Hop. Vous, ça coûte trop cher tout ça. Ouh, dis donc, ça s'est bien cassé la figure, la thune. Bah voilà, hein, dilapider tout ton argent à chaque fois. Bah écoute, ouais, je suis démuni, je ne sais que faire. On va faire un petit peu de ça parce que c'est quand même le plus important. Hop là. C'est combien d'entretien ça? Ouais, va falloir qu'on se calme. Hop. Allez, bim, fais-nous ça après. Ouais, c'est vite. Peut-être qu'on pourrait aller là-bas. Là, c'est pareil, on va reculer un peu ça. Hop. On a suffisamment pour l'instant. Pour qu'est-ce pas s'embêter avec. On va faire un petit bonus. Ça c'est bon, là. ça me va, ça c'est nul mais c'est pas grave, on n'y peut rien. Toc toc. J'attends du soutien de guerre. On peut pas dire que je sois très soutenu. Écoute, c'est exactement comme moi, hein. C'est pas de ma faute si personne te soutient. Hein. C'est pas de ma faute si je dilapide tout l'argent, hein. C'est pas de ta faute si personne te soutient. Écoute. Bah ouais, non mais là. Nouvelle politique, liberté de la presse. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Bah voyons. Pourquoi il y a un... Il s'embête pas carrément, pourquoi t'es collé à ma capitale. C'est la honte. Ah, c'est marrant ça, il y a une politique que t'as prise, et du coup si je prends l'inverse, et ben t'auras un motif de discorde contre moi. Bah c'est clair. Il y a des politiques qui sont... De quel droit tu prends des politiques inverses de ce que j'ai décidé? Non mais j'aime ce concept, c'est marrant. Vous, pourquoi vous faites rien? Bougez-vous les fesses? S'il vous plaît. Il faut un charbon. Voilà, pour vous poser la ville là au prochain tour, très bien. Qui c'est qui glande sinon? Toi tu vas là. Toi, pareil, en avant. Alors ici, non, ici on n'a pas encore de mouvement. Qui c'est qui glande encore du coup? T'es qui toi? Qui es-tu? Qui t'es toi? Mais quelle personne, quel genre de personne es-tu? Je ne te connais pas. Bah écoute, t'as qu'à aller là, allez hop, tu fais. Et surtout, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, bon dieu, d'ici? Hop là, on passe le tour. Alors ça se passe bien la guerre.
Bah non, c'est compliqué. Il faut leur expliquer qu'ils sont pas là pour être gagnants, que c'est moi qui dois les soumettre, que oui, enfin bon, voilà quoi. Que c'est une sous-espèce. Je comprends, ils sont un peu énervés et du coup, toi, tu ne conçois pas qu'ils soient un peu énervés, quoi. En fait, le truc que je comprends pas, c'est pourquoi on me cède pas tout ce que je veux tout de suite. Dès que tu le demandes. Oui. Je comprends la frustration, je comprends. A new independent people. And who Hop are they? là, ça c'est fait. Alors ici, du coup, si on pouvait arrêter les conneries. Oh, c'est un peu pauvre, hein, ce terrain. Du coup, on va se poser là. Donc ici. Ouais, c'est pas mal ça. Allez hop, en avant. Voleur des mers. On dit que des pirates préparent des abordages. Alors là, l'armée de renfort. C'est encore mieux. On peut pas trop se permettre, je pense pas. Ouais, on va prendre ça pour voir. Bon, c'est encore plus buggé qu'avant. Allons bon. Je ne peux pas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux c'est pas une armée finir de ma belle. Renfort maritime. Merci quoi. Un truc inutile au possible. Bah du coup, je sais pas moi, venez par ici par exemple. Va falloir qu'on quitte et qu'on revienne. Ah bon? Ouais, ma bataille est buggée en fait. En Ah automatique, merde. il n'y a rien qui bouge. Et en pas automatique, et ben j'ai aucune unité que j'ai le droit de bouger. Et quand je fais terminer la manche, Il se et passe ben ça rien. m'envoie pète. Ouais. D'accord, bah écoute, allons-y, hein, reprenons alors. Tant bien parce Je que les ventes, sauvegarde. j'étais pas fan hein, de les ventes. Ah mais du coup si tu Alors... sauvegardes nous verrons, nous verrons. Alors Très. si je sauvegarde, ça peut bien marcher comme ça peut ne pas bien marcher. Ça peut crasher aussi. Auquel Tu cas remarqueras que on ce n'était pas une prendra des l'autosève. synchros. Non, c'est pas une des synchros. Pour une fois, je nous gâte. Choisissez soigneusement l'emplacement de votre ville en prenant en compte les points d'intérêt, les rivières, les lacs, etc. Et J'ai le oui, même, tiens. certes, mais en fait, au début, il vaut mieux se mettre aussi assez rapidement là où on peut, quoi. Ouais, au début, ouais. Et puis en plus, le fait de rajouter des territoires fait que c'est pas si pertinent que ça, à part au tout début. Alors, voyons, 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 voyons. Cette bataille, est-ce qu'elle a eu Dis-moi, lieu déjà pour commencer? avant que je fasse quoi que ce soit, comme ça on sera fixé. Ah oui, ça y est, mais du coup, elle est partie en automatique. Et du coup, elle est pas buggée. Bah non, pour l'instant, non, elle est pas buggée. Bah écoute, parfait. Faisons ça du coup. Alors, qui c'est qui glande? Toi, tu glandes. Bah du coup, tu vas camper un peu. Hop. Donc on a trois bateaux. Bon, bah, voilà, comme ça, à cadeau. Est-ce qu'on peut pas compenser cette légère baisse? Par exemple, avec ça. Parce qu'à un moment, que nous importe l'industrie? T'as bien de la chance. Ça, c'est fait. Du coup, je fais ma bataille manuelle hein, parce que dans la Ouais, non bataille mais... pas manuelle, il a décidé que toutes les troupes devaient rester immobiles dans les fortifications et attendre que l'ennemi, qui est en défense, se déplace. Eh bien, pourquoi pas? La bonne nouvelle, c'est que en fait, il le fait. Mais bon. Pour autant, marche pas à tous les coups, comme on a pu le voir. Alors ici, il va être temps de commencer à réfléchir où on peut aller. Je pense qu'on va aller par là. Alors, ici, pour Est-ce être qu'on n'arrête pas un attaché, truc là? il en est où lui? Ça fait quoi ça? Ok, bof. Ça c'est nul.
Bof. Je vais venir ici en fait. Ça c'est pas mal. Ah mais c'est par ville ou avant-poste, c'est pas par centre d'administration, donc non c'est pas ouf en fait. Ça par contre je pense qu'on va prendre. Quoique... Non, on peut prendre ça. Hop, on va claquer un petit peu. Il faut des fois... Ah, enfin ça avance. Ça y est, t'as réussi ta bataille. Sans oui, ma bataille, crever. Mais surtout, enfin, j'arrive sur des vraies troupes militaires, quoi. Des mecs qui ont des Gatling guns et des missiles à balancer. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, voyons. Je te trouve quand même vachement agressif. Ah, pas plus que d'habitude. Moi, je me trouve assez... assez gentil. Ouais, voilà, dans la moyenne de ce que je suis habituellement. Là. Ça aurait été mieux que je puisse la rattacher. Mais ça va pas être possible. C'est pas mal. Alors par contre, on dirait qu'il y a des peuplades neutres un petit peu partout. On va passer par là. Ici. On pourrait aller par ici, en avant. Et vous repliez. No doubt this independent people possess sophisticated customs, rights. Et l'IA adverse fait l'inverse. I do hope you're going to treat them well. C'est-à-dire? Ben moi je suis en bateau. Donc je peux pas envahir sa ville. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort de sa ville pour m'agresser. Quelle bonne idée. C'est quoi ça? Un centre administratif, d'accord. Ok, on est par là. Bon, il fait n'importe quoi, Lille. Elle est complètement bénée, quoi. Bah après, si elle te permet de gagner... Non, même pas, là. Non, à nouveau, elle a fait n'importe quoi. C'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi bouge te dire. Des unités dans tous les sens. Elle se replie quand on est en attaque. Elle a même laissé mon drapeau. J'avais 13 unités sur la map, si tu veux. Elle a laissé le drapeau aux adversaires, quoi. Ça, on peut pas le prendre. C'est la violence. Il nous faut juste, je crois, ouais, une tech. Donc on n'a pas besoin de s'embêter. Bah oui, jeu. Normalement, on a passé le tour là. Ah non ! Ah ouais. L'autre a quitté le jeu. Intéressant. Et j'ai été déconnecté. Ouais, la connexion internet a été coupée. Bon, on le sait, hein, tous les deux, qu'elle a pas vraiment été coupée. Hein. Ça me paraît évident que ça a été brutalement. coupé. D'ailleurs, il se trouve qu'on est dans la même pièce internet. à parler via nos casques, en fait. Et, par contre, on joue par internet. Voilà, on joue par internet, mais pour faire croire qu'on n'est pas dans la même pièce. Bien. On sent bien que ma connexion elle a été interrompue brutalement. Alors, Humankind, rejoindre la partie. Ah non. Le jeu qui te balance... Bah t'es pas dedans en fait. J'ai lancé sans toi. Ah bah non, je suis pas dedans là. Moi je suis prêt moi. Attends... Peut-être que tu peux m'inviter aussi quand t'es prêt. T'es pas obligé de cliquer sur rejoindre jusqu'à ce que ça marche. Il y a tellement de gens à inviter. La dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'ai invité Tiberias. Qui était pas dit dans la partie, qui était pas prévenu. T'es obligé de lui envoyer un petit message. Rien. Misclic. Bah oui, parce qu'en plus il jouait à Humankind en même temps. En plus, je crois en live. Genre le boulet. Non, mais on sait, t'as. C'est l'âge, ça te sait, les interfaces un peu modernes et tout. C'est compliqué. Qui dit? Qui dit le jeune? J'ai pas entendu. C'est la guerre. Tu l'auras voulu, c'est la guerre. Et après on va me traiter d'agressif. Aïe. Alors que t'es tellement méchant. Méchant quoi. Un peu quand même, tiens.
Franchement, je méchant. Fais quoi, je refais ma bataille, c'est ça? Méchant. J'ai une bataille à faire. Ah oui, c'est ma bataille d'eau. Là. Ah oui, bon, bah, très bien, je vais pouvoir la jouer. So, will this independent people be an ally or an enemy? Ah bah c'est génial ça, du coup. J'en ai pour combien de tours à aller là-bas? 7 tours, ouais, c'est pas gagné. Hein. Ok, on pourrait faire ça, pourquoi pas. Non, putain. Un qui va là. Chaque fois je misclique. Rasez-moi ça. C'est terrible. C'est terrible de dépenser de l'influence en misclickant comme ça. Ici on va là. Ah mais qu'est-ce que c'est que ces côtes de l'enfer quoi. Comment je fais si je veux débarquer par là? Ouais, plutôt tout là-bas, hein, on est d'accord. En avant. Vous remontez. Du coup, je peux refaire ma bataille qui avait été jurée comme comme un grand couillon. Ouais, comme un cul par le jeu. Et j'ai juste eu à débarquer une unité sur la terre pour qu'il m'attaque dessus avec tous ses guerriers jaguars et donc se suicide en fait. No doubt this independent people possess sophisticated customs, ah, oui, rights, language and beliefs. Qu'est-ce qu'il y a en face? Ah oui, des épéistes lourds. Ah, les épéistes lourds, ça fait mal. Bah go. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Ouais, bah non, on va pas faire ça. C'est... Allez, bataille automatique. On va laisser faire, on va se faire défoncer là-dessus, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de peuplade. De peuplade neutre. Mais dis donc, t'es violent toi! Moi? Pourquoi? Comment ça? Toutes ces invasions là? J'invasionne que d'elles. Bah attends, t'as pris la moitié d'un continent en deux tours. Oh là là! C'est pas une invasion. Je tiens à c'est le préciser. C'est pas très fair play quand même. Fair play? Oui. Tu dois me laisser gagner, c'est ça le fair play. Je vois. Toute action qui consisterait à essayer de gagner du score à mon déprimant serait anti-fair play. Je comprends l'idée, mais je ne cautionne pas. Je tiens à ce que tu le saches. Et en plus, du coup, tu m'obliges à intervenir, quoi, carrément. Mais je vous ai mis en bataille automatique là, c'est obligé que je vous regarde la bataille automatique ou pas? Comment ça se passe? Non, pas du tout, tu peux sortir. Bah ouais, mais du coup... Tu fais la petite croix, ça va pas arrêter la bataille. Bah oui, mais du coup c'est... Oh mais non, en fait c'est juste que c'est lent quoi. Ok, très bien. Parce que là je peux pas passer le tour parce qu'il y a la bataille en cours, mais c'est juste lent quoi. Ouais, faut que t'attendes. Parfait, ça c'est parfait. On a découvert l'extraordinaire rivière Mackenzie. Ok. Oh non! Pourquoi pas? Quel glorieux personnage! Enfin, en vrai, c'est les Japonais d'Edo qui l'ont découvert, mais. Bah bravo! Mentalité. Allez, on va commencer à faire un peu ça. Ça fera pas de mal. Ça y est. Ouais, bon. How do you do, whoever you are? Ok, ça c'est fait. Ça c'est quoi? Une nouvelle politique, la citoyenneté. Ah, intéressant. Moi j'ai pas les moyens de faire de la politique. Moi non plus, mais n'empêche que j'en débloque maintenant, alors du coup je regarde. Ça c'est faux que j'attache, on est d'accord. Hop là. Et hop là, c'est parti. On dépote un peu, qu'est-ce que tu veux toi? Je partage pas les cartes sauf si tu payes, ça suffit un peu. Voilà. Ah, là c'est intéressant ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. On va plutôt aller par là du coup. Ouais, on va la perdre cette bataille, mon ami. New independent people. And who are they? Time will... Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais on s'en fout de ça. Du coup, la bataille, ouais. Elle est toujours en auto, on est d'accord, j'ai pas besoin de... Ah non, je peux retraite.
Ah non, mais c'est pas la même. Ok, c'est une autre. Ces gens sont vraiment brutaux. C'est une autre guerre. Ici. Ah, j'ai gagné ? Sérieux ? Bah ben voilà, t'apprendras à faire n'importe quoi. Bah écoute, moi je la trouve très bien cette bataille automatique. Je sais pas quoi te dire d'autre. Du coup, on va reculer. Ah, mes miliciens, ils ont des fusils maintenant. Des nouveaux les mecs que je recrute comme ça là. Bah parce que t'es conscrit, ils avaient pas de fusils. Non, maintenant c'est des nouveaux conscrits avec fusils. Attends, c'est hyper escarpé des coins là. Coup toi. Non, le problème c'est que j'aurais peut-être pas assez de score de guerre pour avoir le droit de prendre leur ville quand même. Pas parce que tu conquiers la dernière ville de quelqu'un que tu peux lui prendre. Tu peux très bien au moment de faire la paix qu'on te dise « Ah ben vous avez fait 75 points de score de guerre et la ville c'est 80. Dommage, vous avez fait votre guerre pour rien. » C'est ballot. Bah c'est ballot, mais ça serait évidemment parable si jamais on savait comment dire. Comment étaient calculés les points, quoi. Mais non. Alors, coup, ici... Et comme t'as pas le droit de faire attendre la guerre, ou t'es obligé de faire ta paix là tout de suite maintenant, et ben c'est comme ça. Hein. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer d'aller débloquer? Le pétrole et les U-boats. Ça... les U-boats. Intéressant. Il faut que je fasse ça. On arrive à les faire baisser un peu. Ok, faisons ça. La victoire est proche, est-ce que ça va me faire le coup? Non, j'ai 113 points. Youpi. La victoire est proche. Ouais. C'est quand tu gagnes une bataille. Ah oui, la victoire militaire. Je crois que tu parlais de la fin de la partie. Ouais, bah... Qu'est-ce qui se passe là? Celle-là on va la faire en manuel par contre. Voyons voir où est-ce qu'on peut se placer. De préférence pas sur des... Voilà, on est pas mal comme ça. Peut-être même prendre toi et te mettre là pour que t'aies un peu plus de bonus. Alors, c'est de notre tour. C'est parti. Boum. Et boum. Tu peux venir là toi. Ah bah c'est quand même mieux. On peut avancer. Ah. Ça je suis contre. Ça me dérange pas. Là ils peuvent descendre ça, par où nulle part. Ça c'est uniquement de la... On va te mettre là. Qui c'est qui n'a pas attaqué? Toi t'as pas attaqué. Ah si t'as attaqué. Non, toi t'as pas attaqué. Très bien. Sécurité publique dans les valeurs fondamentales. Non, je révoque jamais rien. Oh, ça fait mal le canon sur l'éléphant, mine de rien là. Comment il déconne pas? Hop là! Alors, il va nous faire une petite charge, se faire dépouiller. C'est quoi leur unité de merde en face là? Ah, c'est du chevalier de base? D'accord. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de faire le tour pour aller chercher mon drapeau. On va arrêter ça tout de suite. Et après ta bataille, on va s'arrêter. Et oui, déjà. C'est terrible. C'est terrible. C'est honteux. Allez, débarrassez-nous de cela. Et vous? Vous allez prendre cela, voilà. Bim! Une petite victoire. Vas-y, je te laisse faire l'outro si tu veux. Eh ben, on vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir la vue du Sing, lui mettre plein de pouces et des commentaires pour dire ce que vous pensez de nos combats. On sait que la série vous plaît. Vous remercie d'avoir regardé et à tout de suite pour la suite. Salut le Sing. Et merci à toutes et à tous et salut Slan.